Delete, c'est une campagne de sensibilisation à la menace qui pèse sur un grand nombre d'espèces, hein. Comme tout le monde le sait. C'est une sensibilisation aux populations urbaines particulièrement. Hein, parce que les populations des campagnes, souvent, ils sont beaucoup plus sensibles. Parce qu'on voit évidemment en ville beaucoup moins d'animaux, encore moins des rhinocéros. Mais en même temps, c'est une petite sonnette d'alarme, pas du tout agressive, mais toujours pour rappeler que tout est lié. Souvent, les gens me demandent, mais tu parles des animaux, mais peut-être faudrait s'occuper des humains, des plantes. Mais tout est lié. Tout est lié. Absolument. Oui. Si on s'occupe des animaux, qu'on les préserve, qu'on y fait attention, on s'occupe du reste. Tout est lié, c'est la même chose. Vous disiez donc une prise de conscience non agressive, et c'est vrai que partout en principauté, on peut voir des bâches, des grands panneaux et même des vidéos. C'est justement donc pour toucher le plus large public urbain. Exactement, exactement. Là, on est à côté d'un rhinocéros noir. Derrière moi, il y a un panda bien connu. Tous ces animaux, aujourd'hui, sont menacés à cause de l'activité humaine.